la mafia corse. Elle est connue pour ses activités illégales, telles que le trafic de drogue, le racket, la contrebande et l'extorsion. Le groupe a des racines qui remontent au 19e siècle, mais il est devenu plus organisé et plus visible dans les années 1950 et 1960. Depuis lors, il a été impliqué dans de nombreux crimes et scandales en France, y compris l'assassinat de l'écrivain et journaliste français Jean-Pierre Soisson en 1979 et l'attentat à la bombe contre l'avion de TWA en 1996, qui a tué 170 personnes. La mafia corse a également été impliquée dans des activités de blanchiment d'argent, notamment en investissant dans des entreprises légitimes et en achetant des propriétés immobilières. Le groupe a également été accusé de corruption, de trafic d'influence et de relations étroites avec des politiciens et des hauts fonctionnaires. Le gouvernement français a pris des mesures pour lutter contre la « mafia corse », y compris la création d'une unité spéciale de la police chargée de lutter contre le crime organisé en Corse. Malgré ces efforts, le groupe a continué de prospérer et reste un problème majeur de criminalité.